Bonjour. Aujourd'hui, direction une fois encore après Denis, et bien aujourd'hui Lise avec le Québec, Lise que j'ai accompagnée et qui me fait part d'une petite difficulté, à savoir d'œdème au niveau des chevilles, au niveau des pieds. Lise qui a réalisé une pause alimentaire de 21 jours récemment et qui m'envoie ce message à l'issue de cette pause alimentaire et aussi reprise alimentaire au 22e jour, en l'occurrence avec des fruits et légumes. Donc Lise qui écrit: comme je continuais de perdre du poids et que mon énergie fluctuait beaucoup, j'ai opté pour une reprise de l'alimentation solide le 22e jour, donc fruits et légumes. Un repas par jour au début et maintenant deux fois par jour, avec un jour de pause par semaine. Question. Depuis 3 jours, j'ai les chevilles enflées de plus en plus, chevilles et pieds maintenant. Vraiment bizarre, je n'ai jamais eu les chevilles enflées auparavant. Selon toi, peut-il y avoir un lien entre cet œdème et mes changements alimentaires? Merci de me donner ton avis si tu peux. Je n'ose pas aller voir le médecin pour ça. J'ai vérifié ma pression artérielle, 115-72, à peu près 11,5 sur 7 de tension artérielle, pouls 60. Et qui écrit par ailleurs aussi: hier j'ai bu du thé vert, plus de l'eau chaude avec du citron, suggéré comme étant diurétique, donc qui favorise le fait d'aller aux toilettes et d'uriner. Je suis allé souvent à la toilette cette nuit, en plus d'avoir dormi les pieds surélevés sur un oreiller. Mes chevilles et pieds sont encore gonflés, enflés ce matin, mais moins. C'est rassurant, par contre j'ai une sorte de bosse sous le bord droit du pied droit. J'imagine que ça va se résorber aussi. Alors, pour répondre à Lise, mais aussi à ces personnes que j'ai eues très occasionnellement, très très occasionnellement, c'est pas forcément très fréquent, les pieds et les chevilles qui enflent dans le cadre des pauses alimentaires, je l'ai vu parfois, mais c'est vraiment pas souvent. En tout cas, a priori, une pause alimentaire, une fois encore appuyée sur les recherches du prix Nobel de médecine 2016 sur les bienfaits sur la santé du fait de la pause alimentaire par les principes d'autophagie et d'autolyse, mais aussi de la préparation à une pause alimentaire qui doit se faire progressive, qui doit se faire qualitative, qui doit se faire quantitativement vers la descente et donc forcément progressif, manger moins progressivement, mais aussi qualitativement vers le manger mieux, en l'occurrence les fruits et légumes, si possible crus, si possible produits localement, non lyophilisés, non stockés en chambre froide, entre guillemets bio, ainsi que de cette reprise alimentaire qui est très fortement suggérée sur la base de l'écoute du corps, plus que de la tête, ainsi que d'une préférence vers une reprise alimentaire en commençant par plutôt les liquides, plutôt le pâteux comme intermédiaire entre liquide et solide, et puis enfin vers le solide sur quelques jours sur la base de l'écoute du corps, plus que de ses envies mentales ou émotionnelles, afin de respecter le rythme propre au corps quant à se remettre dans une digestion à proprement parler de nourriture venant de l'extérieur, eh bien, a priori, il n'y a aucune raison qu'il y ait des œdèmes de cheville, des pieds. Et donc, comment expliquer ces œdèmes de cheville et de pieds? A priori, probablement une rétention d'eau, a priori associée à un désordre électrolytique des ions, c'est-à-dire sodium, potassium ou autre chose encore. Donc peut-être rétention d'eau, peut-être désordre hydroélectrolytique au sein du métabolisme du corps du fait de la pause alimentaire. Si l'on en croit les bienfaits sur la santé d'une pause alimentaire, a priori la pause alimentaire en tant que telle ne peut pas être à l'origine de ces désordres. Et donc
Et ni la pause alimentaire, ni la reprise alimentaire qui s'est faite au 22e jour sur la base de fruits et légumes, qui est la meilleure façon de revitaliser un organisme s'il est déminéralisé. Bon réflexe de la part de Lise que de boire du thé vert avec de l'eau chaude et du citron pour avoir cet effet diurétique et dégonfler en perdant de la masse hydrique, de l'eau. Très bon réflexe de Lise de surélever les pieds et les jambes dans le lit avec un oreiller, très bien. Et donc, a priori, on pourrait très bien se dire aussi que 21 jours étaient peut-être de trop. Lise a plutôt bien vécu sa pause alimentaire, elle l'a même relativement bien vécu, sans grande difficulté. Pause alimentaire que j'ai eu privilège de guider, de mener auprès de Lise. Donc, a priori, ni la pause alimentaire ni la reprise alimentaire seraient en cause dans ce phénomène d'œdème. Peut-être. Et que d'avoir eu à détoxiner de façon conséquente, l'organisme a peut-être été sollicité un peu plus que ses capacités. On l'a un petit peu trop sollicité sur la durée, 21 jours. Peut-être tout simplement que les émonctoires se sont engorgés ou étaient déjà engorgés et ont eu du mal à jouer leur rôle d'élimination des déchets, des toxines. Je rappelle que les émonctoires, ce sont ces organes dont la fonction est aussi de stocker, de mobiliser et d'éliminer ces déchets toxines, et essentiellement cinq émonctoires, la peau par la transpiration, les reins par les urines, les intestins par les selles, les poumons par la respiration. Peau, reins, intestin, poumons, le foie par la bile. Il est utile peut-être de rappeler qu'une pause alimentaire permet une double, entre guillemets, détoxination, une détoxination sur le plan physique et sur le plan aussi mental, émotionnel, que l'on va plutôt appeler déconditionnement, du fait de ce déconditionnement de certains schémas, certains patterns, certains modes de pensée, certains préjugés, certaines croyances, voire certains conflits. Conflit en termes de contrôle, contrôle du mental, et donc de non lâcher prise, en l'occurrence peut-être sur la notion du schéma corporel, autrement dit de l'image que l'on peut avoir de soi par le biais du regard que l'on a sur son corps. Peut-être que Lise a été confrontée à une difficulté de lâcher prise émotionnelle, révélant un conflit de silhouette du fait du schéma corporel inscrit dans ses filtres, inscrit dans ses perceptions au regard d'elle-même, envers elle-même. On est plus sur le registre inconscient, mental, émotionnel, plus que biologique, plus que nutritif, plus qu'alimentaire ou corporel, même si ça passe indirectement par tout ça. En tout cas, j'aurais envie de penser que du fait d'émonctoires un petit peu engorgés peut-être, du fait d'une forte sollicitation de l'organisme pour une détoxination conséquente lors de ces 21 jours, peut-être d'un conflit de silhouette, peut-être d'un conflit d'identité, une non-acceptation d'un certain schéma corporel perçu comme tel par Lise, point d'interrogation, eh bien si la pause en elle-même n'est peut-être pas à remettre en question, si la reprise alimentaire n'est pas tellement à revoir, à corriger ou à critiquer, puisque fruits et légumes, au 22e jour, 90% d'eau, certes, mais diversifiés pour reminéraliser, revitaliser, eh bien, il reste une hypothèse possible, une option à mon sens, c'est la phase avant la pause alimentaire, en l'occurrence de cette préparation. Peut-être, probablement, que l'organisme était insuffisamment en bonne vitalité avant la pause alimentaire. Peut-être que, entre guillemets, l'organisme est parti un petit peu bas pour attaquer cette course de fond qui est ce marathon, qui est une pause alimentaire de 21 jours. J'aurais envie de le poser comme tel. Et à partir de là, de m'interroger pourquoi Lise,
dit donc qu'elle n'ose pas aller voir le médecin pour cela. Bien sûr, la tension artérielle, le pouls était dans la normalité, ce que l'on appelle une bonne tension artérielle ou une tension normale, avec un pouls tout aussi normal. Eh bien, bien au contraire, j'aurais envie de dire à Lise, et puis à vous-même, si vous l'avez été, et si vous le serez peut-être lors d'une aventure similaire ou identique, quant à faire une pause alimentaire dans votre vie, ce qui est fortement suggéré par le courant médical aujourd'hui. Je rappelle aussi que les cancérologues, la plupart, de plus en plus en tout cas, suggèrent vraiment à leurs patients, à la veille d'une chimiothérapie, de faire une pause alimentaire de 24 à 72 heures. Pour rendre la chimiothérapie plus efficace et en même temps diminuer les symptômes secondaires dus à la chimiothérapie, comme les nausées, les vomissements, les chutes de cheveux, etc. Bien au contraire, j'aurais envie vraiment de poser ce postulat et à Lise et à toutes les personnes concernées que avant de faire une pause alimentaire, prendre le temps de suffisamment préparer son corps, son organisme, de se préparer au sens large, au niveau du mental, du conditionnement, du regard que l'on peut porter sur cette aventure, en l'occurrence avec le manger moins et manger mieux, mais aussi avec cette préparation mentale, émotionnelle, peut-être spirituelle aussi sur cette, au regard de cette démarche, qui nécessite une préparation au bas mot de plusieurs semaines à plusieurs mois. 21 jours, c'est relativement conséquent, et donc de prendre le temps. Mais aussi, ne pas faire les choses seul, préparer aussi en s'enquérant d'un maximum d'informations, se documenter, lire, regarder des vidéos, contacter les accompagnants, contacter l'accompagnant de votre choix, s'enquérir de comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il vous accompagne dans cette pause alimentaire, quelles sont ses références théoriques, pratiques, où est-ce qu'il en est dans son expérience de pause alimentaire, dans son expérience de la santé. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une certaine crédibilité, bien sûr. Et en plus de cela, vraiment, ne pas hésiter à faire ce que l'on appelle un bilan vitalité. Un bilan vitalité avant une pause alimentaire, qu'elle soit de quelques jours à quelques semaines, 7 jours à 21 jours. Allez voir un médecin homéopathe, de manière à demander un bilan vitalité, à demander un bilan sanguin, donc évaluer la capacité à l'organisme à réaliser ce marathon de 21 jours, si c'est 21 jours dont il est question, dont il est l'objet, mais aussi à la reprise alimentaire, dans les jours ou les semaines qui suivent, de réaliser aussi un bilan vitalité pour comparer, voir comment ça se passe, mais aussi un bilan sanguin qui va dans le sens du bilan vitalité, mais aussi du bilan général de la personne. Voilà Lise. En termes de vitalité, une pause alimentaire, à partir du moment où la détoxination prend fin, est censée montrer, toujours en pause alimentaire, avant même d'avoir repris de l'alimentation, et donc d'une certaine source d'énergie, plus ou moins adaptée et qualitative à l'organisme, il est censé être constaté une reprise de vitalité parce que justement l'organisme s'est déchargé de ce qui l'encombrait, de ce qui l'alourdissait, de ce qui l'empêchait, le freinait quant à fonctionner pleinement. Une reprise de vitalité, un retour de vitalité à l'issue d'une détoxination, toujours en pause alimentaire. Même en pause alimentaire, surtout en pause alimentaire. Donc faire un bilan avec le médecin homéopathe, si possible, avant et après la pause alimentaire. Et bien sûr, pendant une pause alimentaire, être guidé par une personne qui en a l'expérience, qui est aussi au fait de ce que l'on appelle la nourriture en conscience, mais encore plus si c'est le cas de la nourriture pranique. Et une fois encore, et au-delà de tout ça, d'abord et avant tout, écouter son corps. Ne jamais faire le forcing, ce qu'a priori Lise n'a pas fait. Ne jamais faire un défi, une performance de ce projet de pause alimentaire. Et qui plus est, qu'il n'est pas censé y avoir d'épisode
de perturbation de l'équilibre de l'organisme, puisque c'est la vocation de la pause alimentaire, de restaurer plus d'équilibre, plus d'ordre, plus de réaménagement au niveau biologique et global. Il n'est pas censé y avoir de déséquilibre si la personne a suffisamment préparé en amont de sa pause alimentaire, avec un choix orienté sur les fruits et légumes, mais aussi d'une pause de 24 heures par semaine. Merci à Lise pour cette question. Merci à vous pour avoir écouté et partagé ensemble mes réflexions, mes hypothèses, quelques réponses possibles, peut-être, autour du phénomène de l'œdème. Mais en définitive, ce n'est jamais que le médecin qui sera le mieux placé aussi en termes de perturbations de santé, à partir du moment où on n'est plus dans le registre de la prévention, eh bien, n'hésitez pas à consulter le médecin. Merci à vous, à bientôt, au revoir.